Florent s'est d'abord saisi sous les traits d'un batracien complexé par sa petitesse, son aspect chétif et malin. C'est bon d'être moi, un gringalet qui n'intéresse personne. Allô? Ah, c'est vous. Ah bon? Je suis surprise. Eh bien, rapportez-le-moi. D'accord. Je vous attends. Asseyez-vous, je vous en prie. Ici? Par terre? Oui, ça vous dérange? Non, non, c'est... Alors, manque des pages à votre livre? Oui, les pages de la fin, c'est frustrant. Vous les avez? Je sais pas. Comment on va faire? Je peux vous raconter si vous voulez. Raconter quoi? Je peux vous raconter la fin de votre livre. Non mais je m'en fiche que vous me le racontiez. Je vous achète un livre, moi j'aimerais que ce soit complet. La fin d'un livre, c'est pas que des mots. C'est l'esprit du livre qui parle à votre âme. Bon. Si vous voulez. Regardez attentivement ce paysage. Afin d'être sûr de le reconnaître. Si un jour vous voyagez en Afrique, dans le désert. Et si vous arrivez de passer par là, soyez gentil. Ne me laissez pas si triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Merci. Je ne sais pas si j'aurais autant apprécié en le lisant. Merci. Je dois partir. Vous m'enverrez les pages qui restent. Et la prochaine fois, tâchez qu'il soit complet. Je l'ai emballé. Oh, fallait pas, merci. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? Oui, je l'ai. Oui, il coûte 27 euros. Vous pouvez passer le prendre? Vous avez l'adresse. D'accord, je vous attends. Au revoir. Excusez-moi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous verrez surtout la fin, c'est très inattendu. Ah, ça tombe bien, j'adore quand on ne peut pas deviner la fin. Comme je vous comprends. Oh, merci. Pardon, je peux vous voir une minute? Oui, je vous en prie, entrez. Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut baignera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. C'est inadmissible. Ma femme vient vous prendre un livre et elle peut même pas le terminer. Vous pourriez quand même vérifier ce que vous vendez, non? Croyez bien que je vérifie scrupuleusement, monsieur. Ouais, eh ben, je vous félicite pas. Vendre des livres incomplets, non mais sans blague. Non mais mon Lulu, c'est pas si grave que ça.
On n'a qu'à l'imaginer, la fin. Je parle à la dame, tu permets? Elle va pas s'en tirer comme ça. Moi, en tant que président de mon entreprise, quand un client n'est pas livré correctement, on le rembourse. Je vais m'en occuper, monsieur Durand. Je vous demande juste un instant. Regarde, chérie. Celui-là aussi, il manque la fin. Non, mais je rêve. Non, mais elle se fout de nous, hein. Oh, c'est marrant. Et les autres? Ils sont tous comme ça. Vous avez découvert mon secret. Oui, je vole la fin des livres. Pour qu'ils soient obligés de revenir. Pour qu'ils m'écoutent. Pour que j'existe. Bougez pas, je vais vous faire du thé.